Chick voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chick sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. D'accord. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui interdit de quitter la grotte. Et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Oh. Ça a l'air horrible. Oui. Chick n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Hey. Ah, normalement, je suis sorti. Protego. Ouais, d'accord. Ah, te voilà. Tu peux pas courir ? Si. Décolle ! C'est le moment d'aller un peu plus vite. Wouhou ! Wouhou ! J'adore tellement le sombral. Oui ! L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Ah, mais je sais où on est. On est déjà venu ici. Et pas qu'une fois. Dans un océan de galions. Revelio. Je crois que je les ai déjà battus, ces araignées-là. C'est sûrement la grotte de Tobbs. Je devrais y entrer. Confringo, Protego. Il semble que nous ayons un intrus dans nos rangs. Non. T'as rien vu. C'est pas moi, c'est plus je suis pas là. Je ne suis pas là. Ouais, compte 28 jours, oui, bah oui, février. C'est parti. Si je veux juste changer, j'aimerais mettre. Ça. À la place. Ouais. Et on va mettre en potion. C'est quoi ça déjà ? Permet d'accroître les dégâts infligés par les sortilèges de la personne qui la boit. Ça réduit le temps de recharge des sorts de buveur. Ok. Ah ouais, mais elle dure pas longtemps du tout. Confringo. Super. Revelio. Tu as 3 fioles en dessous du quota. Tu sais ce que ça signifie? Que mes fidèles clients n'auront pas leur solution de ratatinage de sangsue. Suite à cette grossière erreur, tu ne recevras aucune nourriture pendant une semaine. Je m'attends aussi à ce que tu puisses. À ce que tu te puisses dignement. Quand je reviendrai pour la prochaine cargaison, j'espère bien te trouver en plein. Le pauvre, faisons qu'avec ton sourire stupide d'habitude, si tu n'atteins pas le quota augmenté de 5 fioles, tu perdras bien plus que. De nourriture. Le maître de Tobbs est horrible. Quel bâtard. Je regarde juste, j'avais pas une mission. C'était P pour les missions. Non. Je sais plus c'est quoi le raccourci pour les missions. On avait pas une mission avec le professeur. Là. Utiliser un breuvage contre un ennemi.
Un breuvage, potion, c'est ça. On utilisera ça après, du coup. Tobbs, Chick, m'envoie. Ah, je suis tombé. Tu es là? Qu'est-ce que c'était, ça? Ça m'a fait peur. Ah non, c'était la sangsue quand elle a explosé, je suis bête. Ok. Ah oui, d'accord. Je suis vraiment tombé très bas. Revelio. Ah oui, en effet, il y a des araignées, là. Fringo. Protego. Revelio. Confringo. Est-ce qu'on va avoir un boss araignée, vous croyez? Oh maman, c'est pas possible! Je l'ai vu monter sur le mur! Elle est énorme! Oh maman! Alors les gars, vous, en plus vous voulez savoir un truc rigolo, sans vous mentir. Hein. J'en ai rêvé cette nuit de cette araignée, poilue et géante, parce que j'étais tellement pressé d'y jouer. Je vous jure que j'ai rêvé que j'étais en train de jouer à Hogwarts Legacy, et que justement je me battais contre une araignée comme ça. De toute façon on n'a pas le choix, hein, faut y aller. Hein, Revelio. Est-ce qu'on la voit? Non, ah bah non, tiens, elle va être au plafond, elle va me sauter dessus, j'en sais rien. Ah là là. Maxou, s'il te plaît, dis-moi juste si elle me saute dessus ou si tu la vois au loin. S'il te plaît, Maxou, dis-moi. Sans mentir, fais pas l'idiot. Dis-moi juste si on la voit au loin ou si elle me saute dessus. S'il te plaît. S'il te plaît, Maxou. Oh, là là. Maxou! On dirait que Tobbs est passé par là il y a quelque temps déjà. Il a dû s'enfoncer plus profondément dans la grotte. Incendio! Confringo! Incendio! Je crois que tu la vois plus loin. Confringo. Comment ça tu crois? Revelio. T'en es même pas sûr? Incendio. Confringo. Confringo. Je suis trop con, je reste à côté en plus moi. Incendio.
Vous imaginez même pas à quel point mon cœur est en train de battre, les gars, vraiment. La mission, je l'ai fait la semaine dernière. Suivez les araignées! Suivez les araignées! Et pourquoi pas suivez les papillons! Revelio! Incendio! Confringo! Je sais pas ce que je tape, vous me faites peur! Revelio! Maître, si jamais vous cherchez Tobbs, il semblerait qu'il ait épuisé toutes les sangsues qu'ils étaient ici et qu'il a dû s'aventurer plus loin dans la grotte. Tobbs espère que le maître attendra son retour. C'est bien trop dangereux que le maître essaie de le suivre. Et je vous en prie, faites attention aux araignées. Ce bruit n'augure rien de bon. Non, tu crois ? Confringo ! Je l'imagine tellement monter là, pam 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 pam. Ah là là, puis les araignées qui passent à côté de toi là. Revelio. Mon Dieu. Oh, c'est ça? En vrai de vrai, je m'attendais à pire. Oh! Bingo, incendio. Expelliarmus. Confringo. En vrai de vrai, je m'attendais à pire. Incendio. Confringo. Incendio. Ringo! Incendio! Expelliarmus! Oh, j'avais pas vu ma vie! Revelio! Elle va faire un câlin en plus! C'était que ça la mission? Sérieusement? Je m'attendais tellement à une araignée beaucoup plus robuste. Les autres crochets. Bon, je pense qu'il y en a une autre. Hein. Et une autre araignée, c'est pas possible. C'est pas que ça. Oui, d'accord, Maxou, il y en a une autre, non? C'était ça le boss? Vraiment? Ouais, je peux passer par là parce que j'ai pas fait Confringo. Ok, d'accord. C'est ça le boss? Revelio. Mais non. Confringo. Je passe sur la paroi, elle paraissait beaucoup plus grosse. Je pense que cet elfe de maison est Tobbs. Oh non! Si vous trouvez le corps de Tobbs, c'est que la grosse araignée était trop forte. Tobbs est indigne de vous et mérite sa punition. Tobbs se sent faible, fatigué. Tobbs doit... Pauvre Tobbs. Abandonné seul avec les araignées.
Incendio. Tobbs est mort. Vraiment ? Oh non. Oh non. Oh putain, elle m'a fait peur cette salope. Ah, et là, cette c'est le retour. Table me dit quelque chose. Ok, là on est. Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte. Attends, parce qu'il y a un endroit que j'ai pas fait du coup. Que j'ai pas fait. Il y en a de la thune. Revelio. Attends. Ça me dit qu'il y a un coffre là-bas en plus. Là, j'ai pas vu moi. Revelio. Bref, on doit retourner voir notre ami pour lui dire que son pote est mort. Pas ouf comme annonce, pas ouf du tout. Peut mieux faire. Hein. Putain, quand je l'ai vu monter sur la paroi à sa mère. Et je l'imaginais plus grosse que ça par contre. Je savais qu'un jour on allait faire un boss araignée. Mais je l'imaginais beaucoup plus grosse que ça. Ok. Il faut retourner voir te... Chic. Désolé Chic, je viens pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tobbs est mort. Chic. Oh non, j'ai pas envie de lui annoncer. Chic, je suis de retour de la grotte. Fantastique. Oh, Chic espère que vous avez salué Tobbs. Aïe. Je suis désolé de t'annoncer ça, Chic, mais Tobbs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non. C'est ce que craignait Chic, tout seul dans cette grotte. Pauvre Tobbs. Chic et Tobbs appartenaient autrefois au même maître. Oh oui, nous avons été séparés à sa mort. Chic aurait bien voulu que Tobbs soit envoyé à Poudlard aussi. Chic a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobbs manquera à Chic. Chic lui lèvera son verre, le cœur bien lourd. Oh, oh, oh. Je suis navré pour ton ami, Chic. Merci. Vous êtes bien aimable. Chic voudrait être seul pour réfléchir, si ça ne vous dérange pas. Bah oui, je comprends, Chic. Après, c'est ma salle sur demande, donc si tu veux être tout seul, tu te casses. C'est la mienne.